Jaco, il a fripouille. Jingle. Jingle, vas-y. Avec la mer, avec Jaco, il a fripouille. On ne mange pas que des nouilles. Que des nouilles. Mais là, on va faire du pain de mie. Alors, le matin, Jaco, il va faire du pain de mie, dis donc. Pain de mie, ouais, je vais faire ça. Alors, ça... qu'est-ce qu'il faut pour faire du pain de mie? J'ai mis 700 g de farine. Que de la farine. Que de la farine. T'as rien mis dedans? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai même douté que t'avais fait une connerie. Mais... ça, c'est quoi qu'il y a dedans? Mais c'était juste un petit pot en plastique, je voulais faire une blagounette. Ouais, mais je m'ai tout fait. J'avais vu des traces de doigts. C'était pour faire rire mes followers. Putain, mais tu l'as vu avant, mais à l'instant, un vrai petit chien de détective celle-là. Bah, alors, je mets un œuf. Oui. Attention, il m'en reste plus que trois. Plus que trois œufs, d'accord. Ouais. Du sucre. Oui. Alors, du sucre, il y a combien? Il y a. Il y a pas de... 70 grammes de sucre. Ok, il y a 3 cuillères à café de levure. Bah, je crois qu'il n'y avait plus de levure pour les madeleines hier. Mais ça, c'est de la levure de boulanger. Oh là là, mais tu confonds tout, c'est pas possible. Bah, je m'y connais pas grand chose en levure, tu sais. Et il y a 70 grammes d'huile. Comme ça. Et qu'est-ce qu'on a dit, le sel en dernier. Oh, 2 cuillères à café de sel. Et là, je rajoute. Du lait. 400 grammes. De mais non, lait. Millilitres. Non, en grammes. D'accord. 100 millilitres en grammes. Voilà. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On remue. On remue. Bah, tu remues. Ben oui. Moi, je te regarde. Aïe, c'est chaud. C'est brûlé la honte. Allez, on y va. On remue, on remue, c'est parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, Jacouille, la fripouille. Oui. C'en est où, ma grosse miche? Bah écoute, ça prend forme. Tu peux me mettre le sel? Oui. C'est Saltman. Parce qu'avant, au premier voyage, et ben, c'est mon fils, il faisait Saltman, il mettait le sel. Oui. Elle est drôle. Allez, c'est une anecdote qui était très intéressante, j'espère que ça vous a plu. Bah oui, hein. Allez, mets le sel. Oh, il faut y aller avec parcimonie. Mais non, vas-y d'un coup. Non, tu dois... Avec qui? Avec qui? Avec parcimonie. Merci. Voilà. Là, vous voyez, Jacouille a pris fouille de haut. Jacouille a pris de travers, de profil. Jacouille a pris fouille de face. Et c'est là. Et c'est là où a fait le mieux Jacouille a la vraie bouille. Alors, ma Jacouille a pris fouille, combien de temps faut laisser reposer ta pâte à pain de mie? Bah après, ça dépend de la température ambiante. Donc là, ça dépend si. Il faut que ça gonfle. Voilà. Quand ça touche le torchon, c'est bon, il faudra mélanger. Quelle précision. Ah, voilà. Donc c'est très précis. Donc oui. C'est autant de temps que ça gonfle. Oui, il faut que ça touche le torchon. Une fois que ça aura touché le torchon, et ben on repétrira. Ma Jacouille, la pâte doit toucher le pain. C'est non, ce que tu as dit tout à l'heure. Le torchon doit toucher le pain. Dis pas n'importe quoi. Le torchon doit toucher le pain. Dis pas n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'il fait ? Elle a bien gonflé. Et voilà. Ah oui. Donc là, tu repétris ? Donc je vais repétrir un peu. Et puis après, j'ai un plat spécial à pain de mie. Eh, petite colle. Où est-ce qu'on a acheté ce... Au Venezuela. Non. Si, au Venezuela. Non, on l'a pas acheté au Venezuela. Ce plat-là, on l'a acheté à Madagascar. Ah, je suis pas sûre. Non mais attends, la mémoire de la famille, c'est moi. Non, okay. Non, je pense non que le jour où tu auras la mémoire. Madine quoi? Ouais, Madine quoi? Madine. Vas-y. Aluminium. Madine Aluminium. Mais non. Mais non, Madine, c'est son prénom. Oh, c'est, elle est con. Mais est-ce qu'elle est con? Mais non, mais je te dis, c'est Madagascar, je m'en souviens. Je crois que c'est Venezuela. Il faudra toujours qu'elle ait raison. Alors. Bon, allez, repétris. Allez, je pétris. J'ai beurré le moule. Hein, voilà, beurré le moule. Voilà. Et une fois que c'est repétri, je mettrai dedans. Après, je vais mettre dedans. Je mettrai le couvercle par-dessus pour que ça fasse. Oui, mais on filmera. Ça sert à rien de raconter ta vie avant. Ah, hein. D'accord. Ok. Après. Allez, ma Jacouille, tu m'appelles quand c'est fini. Hein. Ok, ça marche. Bisous. Elle est bien élastique. Alors, c'est élastique et ça reste un peu collant. Ouais. Donc, une fois que j'ai pétri, je mets dans le plat. Je me décolle un peu les doigts. J'étale bien, s'il faut que ça prenne bien la forme du moule. C'est collant, hein. Et après, on va laisser reposer avec le couvercle dessus, le temps que le four y chauffe.
Vas-y, t'as qu'à laisser l'eau allumée. Eh hey, c'est de l'eau de mer, mon choupinou. Eh oui, petit luxe de Black Lion. N'empêche, c'est vachement bien. Au début, je voulais pas parce que j'entendais dire que c'était nul pour les cuisines, l'eau de mer, parce que ça faisait tout rouiller et tout, que c'était pas pratique. Et en fait, c'est hyper, hyper pratique. Voilà, c'est à volonté. Et surtout, hyper, hyper économique. Parce que tu vois, en plus, quand t'as un plat qui colle comme ça, le nettoyer à l'eau douce, tu perds vachement d'eau. Donc là, on nettoie tout à l'eau de mer. À fond. À fond. Et on rince à l'eau douce de l'autre côté. Voilà. Voilà. Vite fait. Et puis pour bien nettoyer, j'ai ma super éponge. Alors ça, c'est Judith. Judith qui nous l'a offert, la super éponge magique. Parce que ça fait 2 ans que je l'ai. Ça fait 2 ans. Et j'utilise que ça. C'est ça vachement bien. Je sais pas. Ça vient pas de Grèce, un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Mais c'est super, super bien. Ouais. C'est tout ? Voilà, c'est tout. Voilà, je donne un petit coup dans mon plat. Ouais, c'est beau, une femme qui fait la vaisselle. Nettoyer à l'eau de mer. Voilà. À fond, et rincer à l'eau douce. Rapide, rapide, l'eau douce. Tchuc, tchuc. Et voilà. Et voilà. C'est pas beau ? T'es contente de ton robinet d'eau de mer ? Ouais, je suis super contente, c'est vrai. C'est vachement, vachement bien. Bon, on va fermer le plat. Ouais, il n'y a pas que attends, ça. Attends, il faut... Eh oh ! Ah, bah, mais eh oh ! C'est long, voilà, ma carte SD va y passer. Hein. Attends, j'ai oublié de mettre un peu de beurre sur le couvercle. Ah oui, parce que le truc, ça va gonfler. Voilà, ça va gonfler, ça risque de gonfler. Bon, le temps qu'il fait ça, je vous montre notre petit filet à fruits et légumes, attention, par rapport à hier. Il nous reste un demi-citron et 7 patates, c'est un oignon. Ok, ça y est, et là, je vais fermer mon couvercle. Là. Je sens ton doigt, ne le coince pas, malheureuse. Et là, on laisse reposer. Donc on laisse reposer le temps que le four échauffe et quand il sera bien chaud, on met au four. Mais moi je lui dis merci ma chacouille. Bah de rien, petit choupinou. Oh mais avec ma couille, ma pépouille. Oh, on ne mange pas que des nouilles. Oui. Oh pardon. Voilà, donc là je vous montre, il y a 2 petits trous dans le plat. Oui. Et en fait la pâte elle sort. Donc là, je sais que je peux mettre ma... Ah, c'est bon, jamais. Voilà, voici la pâte, ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je voulais enlever le petit truc. Mais non. Voilà, je mets au four. Voilà. Hop, à peu près 1/4 d'heure. C'est qui va avoir du pain de mie? C'est monsieur moi. D'amour. Alors, là, je vous montre. Yep. Ah, le petit point de tout à l'heure, voilà. Là, il a gonflé sur le dessus. Voilà. Il se détache comme ça, hop, c'est que c'est cuit. Ah, tu peux goûter ça? Oui, tu peux, mais c'est chaud. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Voilà. Ouais, oh, il est bon. Tu crois? Ah oui. Alors, ça c'est dur à faire. Ouais, ça c'est ça, super c'est dur. Toujours chiant à faire. Tu veux que je t'aide? Ouais, mais peut-être qu'on va attendre que ça refroidisse. Ouais, parce que c'est chaud là. Okay. Bonjour les petits enfants. Bon, ça c'est une affaire d'homme. Allez, arrête. Parce qu'il faut décapsuler le pain de mie. Allez, décapsule. Ok. Allez, on y va. Oui. L'affaire d'homme. Mais... Oh, qu'est-ce qu'il me fait? Oh, qu'est-ce qui se passe? Attends. Quoi? T'es en train de tout me casser, remets-le en place. Ah, putain, je vais me faire en deux. Voilà. Non, pas trop. Ah, attention, cette scène est réalisée sans trucage, n'est-ce pas? Waouh! Ouais. Il est magnifique. Est-ce que tu veux montrer comme l'autre côté? Parce que il faut pas mentir à mes followers. Mais non, mais c'est parce que t'as T'as failli mentir. T'as tiré trop fort et ça a cassé le dessus. Ouais, ouais, c'est de ma faute. En fait, ça a accroché un peu dessous là. Mais c'est parce qu'il a tiré trop fort, ce couillon. Voilà, mais normalement c'est comme ça, hein. C'est vrai. Allez, je vais prendre un petit morceau parce que je ne sens pas ma force. Je vais prendre un petit morceau là. Regarde ce qu'a fait mon petit amour. Et regarde, à toi mon followers. Oui, toi, à toi que je parle. Aïe. Et avec le pain de mie de ce matin. Ouais putain, ça a failli valser dans l'eau, merde. Et avec le pain de mie de ce matin, 2 croque-monsieur et des tomates. Et on se met sous la baume. Sérieux, c'est pas le luxe ça? 19e jour, une petite salade de tomates. Toujours, c'est incroyable, elles ont vachement bien tenu. Hein. Ouais, elles ont bien tenu les salades, les tomates. Eh, croque-monsieur est trop bon. C'est vraiment ça. Vas-y.
Dedans, il y a des tomates, du fromage, du jambon, du curry et puis des oignons. C'est délicieux. Sans être en mode survie, hein. Croque-monsieur et glace au coco. Bon, quand vous verrez manger de la patate crue, c'est que là, c'est vraiment en mode survie. Hein. Allez fort, ma femme, allez fort.